Dans une révélation surprenante ce jeudi 8 février, Tony Parker, l'icône du basketball, a annoncé en story sur Instagram sa séparation avec Alize Lim, marquant la fin d'une idylle qui avait débuté sous les feux des projecteurs en mars 2021. Après 3 années de vie commune, Alize et moi avons décidé de mettre fin à notre relation. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait à propos de cet aspect de ma vie privée. Merci pour votre compréhension, a déclaré l'investisseur de l'émission qui veut être mon associé, laissant ses fans et le monde du sport en émoi. Alize Lim, bien que moins connue que son désormais ex-compagnon, est une figure notable dans l'univers du sport. Ancienne joueuse de tennis professionnelle d'origine vietnamienne, elle a su se distinguer par son talent et sa persévérance sur les courts avant de conquérir le cœur de Tony Parker. Outre ses exploits sportifs, la jeune femme de 33 ans a également marqué le monde des médias. Journaliste depuis 2017, elle a également été consultante et présentatrice pour diverses chaînes de télévision. Tony Parker, Eva Longoria, Patrick Bruel et Amanda Sterz. Ces stars qui ont su réussir leur séparation. Eva Longoria et Axel Francine, les mariages de Tony Parker avant Alize Lim. Tony Parker a connu 2 mariages notables. Sa première union avec l'actrice Eva Longoria avait captivé l'attention des médias internationaux. Le couple s'était marié en 2007 dans un château français, symbolisant un conte de fées moderne, avant de divorcer en 2011. Lors de son passage sur CNN en août 2022, l'actrice avait déclaré avoir de bonnes relations avec son ex. « Je ne parlerai jamais publiquement de ce qu'il s'est passé, des raisons de notre divorce, parce que je la aimais. » Après cette séparation, le basketteur avait retrouvé l'amour auprès d'Axel Francine, une journaliste française. Leur relation avait mené à un mariage en 2014, consolidant leur union par la naissance de 2 fils. Malgré une vie de famille apparemment épanouie, le couple avait choisi de se séparer en 2020, mettant fin à une décennie de vie commune. Crédit photo, Frédéric Chambert Panoramique.